Rebonjour à tous, dernière partie, enfin troisième et dernière partie de ce tutoriel pour réaliser ce type d'image et d'animation. Où es-tu? Où es-tu? Tuto, non, ball, voilà, c'est cette vidéo-là. Ce type de vidéo. Donc, tout ça réalisé à l'aide de Cinema 4D, du plugin Trozy pour exploser et de RealFlow pour générer cette forme polygonale qui donne l'aspect d'un fluide. Et nous voilà donc dans cette dernière partie, troisième et dernière partie, pour la post-prod, faire quelque chose d'un peu plus encore fini. Je suis encore désolé pour la diffusion surfacique que j'ai appliqué bêtement sur le canal diffusion dans la matière dans Cinema 4D, alors que c'est l'illumination. Ça alourdit un peu tous mes traitements pour rien, et du coup je trouve que la matière liquide n'est pas du plus bel effet. Mais bon, le principe du tuto c'était surtout de voir comment découper, comment appliquer donc la comment appliquer Comment appliquer une matière transparente sur un objet qui va être fracturé avec de la réfraction, et comment importer, exporter, donc faire des allers-retours entre Cinema 4D et RealFlow avec le plugin adéquat fourni avec RealFlow. Donc pour cette dernière partie qui va être plus rapide normalement, on va donc une fois que After Effects est ouvert, on va venir importer. On va venir importer notre image qui était celle-ci, qui était le rendu. On va créer un petit projet en une composition en venant glisser-déposer l'image importée sur ce petit logo. Donc on a notre image qui est maintenant qui est importée, et ça nous a créé automatiquement une composition. Et on va apporter 2-3 petites modifs qu'on viendra reporter sur l'animation aussi. Donc déjà, petite chose, on va mettre un petit peu une sorte. On va vigneter un petit peu l'image, on va assombrir les coins, donc ça va pas trop se voir forcément en haut parce que c'est déjà noir, mais vers le bas. Donc pour ça, on va créer un solide. Un clic droit ici, créer solide de la taille de la composition. On va le laisser nommer comme ça. Ça nous l'ajoute par-dessus. On va ensuite ici laisser le clic gauche et venir choisir outil ellipse. On va double-cliquer pour créer un masque ovale pile dans la proportion de la composition. On va cocher inverser. On va venir ici dérouler le sous-menu, mettre un contour progressif et l'expansion, la mettre un petit peu, qu'est-ce que je fais, pop pop pop, en positif pour avoir cet effet vignettage. Alors si on veut plus avoir les lignes jaunes, hein, soit on clique ailleurs, hein, soit on reclique ici. Peut-être trop. On pourrait quasiment avant découper l'image, mais bon, on va laisser comme ça. Et au niveau des couleurs, peut-être corriger un petit peu tout ça. Donc sur le calque de l'image, on va venir dans effet correction colorimétrie courbe. On va un petit peu éclaircir. Un petit peu éclaircir l'image, et on va ajouter dans effet esthétique, oups, lueur diffuse, un petit peu de glow. Donc on va faire attention parce qu'on a, vous voyez, les surfaces blanches tout de suite vont vite réagir. Si on le fait trop,
le bleu, c'est vrai qu'il me convient pas du tout. J'aurais quasiment pu découper peut-être même l'image avant. Parce que là, on a un peu trop. On en a un peu trop. Bon, on va laisser comme ça. Bon, c'est pas. Comme je vous ai dit, je suis pas super content de la couleur ici. Si on enlève du bleu, ouais, ça fait. Là, ça fait quelque chose de rigolo. Avec le glow en plus. En ajoutant du bleu, on retrouve quelque chose d'assez rigolo. Mon vignettage, du coup, est pas terrible du tout, je trouve, parce que cette ligne derrière de fond est trop marquée. Donc ça serait quelque chose à corriger dans le rendu dans Cinema 4D. Là ça me plaît moi plutôt, après c'est un peu les goûts et les couleurs. Hop, là, je fais des bêtises. Je maintiens espace pour se déplacer. Là on a quelque chose de rigolo, on va laisser comme ça. Moi j'aurais aimé quasiment découper avant l'image parce que là ici c'est vrai que ça fait vraiment des zones pas terribles. On peut faire une petite session Photoshop avant, soyons fous, lançons Photoshop. Pas du tout celui-là que je voulais mettre. Hop, on va le mettre à la taille qui va bien. Oups. On va venir ouvrir tac tuto express ball rendu. On va prendre notre tif. Là, il y a déjà une proportion qui est faite, donc là on a peut-être quelque chose d'un peu mieux. C'est évite d'avoir trop de bandes, peut-être réduire encore ici, mettre 320. Faire comme ça, on va enregistrer sous. Hop, on va enregistrer. Allez, tirer 2. Ok, on s'en va de notre ami Photoshop. Pour pas tout recharger, ici on va venir importer fichier notre deuxième et on va venir glisser ici. Et c'est pas. Ouais, mais bon, de toute façon, on va perdre plein de choses. Donc, on va reglisser pour créer une nouvelle composition. Et on va recommencer. Ni on peut effacer. Tac, tac. On supprime ça. On va recréer notre vignettage. Donc, clic droit, solide. Ok. L'ellipse, on double-clique. On inverse, un petit contour progressif, on expande un petit peu, on met un petit peu en avant, sur notre image, on va faire un effet, donc correction colorimétrique, courbe. Éclaircir, en fait c'est peut-être pas du meilleur effet, si peut-être un peu plus de contraste. Voilà, j'avoue que cette manipulation de courbe, en général quand on regarde différents tutos After Effects, c'est souvent très utilisé. Peut-être accentuer le bleu comme on avait vu. Trop c'est pas terrible. Et rajouter un effet donc esthétique. Lire diffuse. Donc on voit tout de suite que le blanc réagit. On va un petit peu augmenter son rayon, un petit peu son action. Je trouve qu'on a quand même quelque chose d'assez sombre. Si on retourne ici
dans courbe. Dans le bleu. Voilà, c'est du peaufinage, c'est du goût perso. Enfin voilà, moi ça me plaît à peu près. Donc ça sera cette image que je mettrai sur le site. Donc ça, ça me va. Donc fichier, enregistrer sous. Projet, tuto, expression ball. On va créer un petit dossier AE pour After Effects. Et là ça va être image fixe. Pour exporter l'image, on va aller dans composition, enregistrer l'image sous fichier. Ici dans Photoshop, on va changer en séquence PNG. Option de format, aucune compression, ça me va. Et dans la destination, projet, tuto, expression ball, AE. Et donc là, on va faire image fixe. OK, rendu. Comme ça, on a le joli PNG. Et maintenant, donc, petit CTRL-S pour enregistrer le projet. Et maintenant, on va faire l'animation. Donc, dans projet, on va fichier, fermer le projet. Et on va importer donc notre séquence d'images qui a été créée. Donc pour ça, clic droit, import, fichier. Donc c'était dans le dossier rendu 2. On va cliquer sur la première. Automatiquement, ça coche séquence TIFF. On va dire oui. Donc là, on a bien notre séquence de TIFF de 0 à 150 frames qu'on va venir glisser-déposer pour créer automatiquement une composition correspondante. Donc là, on retrouve notre animation dans After Effects. Donc vous voyez, hein, c'est assez sombre. Donc là, ça serait à corriger dans Cinema 4D. On va pareil faire un petit vignettage. Maintenant vous avez compris, clic droit, double clic, inverser, on déroule, on met un petit fondu, on recule, on se met sur notre séquence, sur le calque de notre séquence, effet correction colorimétrique courbe, on va un petit peu éclaircir, ouais, pas mal en fait. Ouais, le fait d'éclaircir pas mal, c'est quand même un peu mieux, même si le liquide est pas joyeux, je trouve, mais c'est comme ça. Et ensuite un petit effet glow aussi, désolé, j'aime bien cet effet. Donc lueur diffuse, on va augmenter. Et comme ça sur les morceaux, ça scintille un petit peu. Peut-être le diminuer un petit peu. Peut-être ajouter du bleu encore. Mais c'est vrai que dès qu'on rajoute du bleu, ça part vite. Donc là, SOS fantôme, c'est l'ectoplasme. Peut-être un peu bleuir. Si j'enlève du rouge, ça devient vraiment super bleu. Et si je touche au vert, donc là, on a notre anime. Donc pareil, ça pourrait être à peaufiner les goûts, les couleurs. Et on pourrait faire plein d'autres choses, mais le but c'était juste de montrer un petit peu comment importer aussi les tifs et autres rapidement et faire 2-3 corrections. Donc là on a quand même éclairci. Et donc maintenant pour faire ce rendu, déjà on va enregistrer encore ce projet, enregistrer sous, et donc là on va mettre séquence, non, composition, on va faire ajouter à la file d'attente de rendu, module de sortie, je vais mettre en FLV histoire que ça soit tout léger. Option, yop, on va laisser en 6004, qualité optimale, bon ça c'était déjà mes réglages, ok, post-prod, machin, blabla.
destination AE rendu. Donc là ça va être séquence.flv enregistré. Ok, tout est ok. On fait rendu. Et donc là on a notre séquence d'image. Donc on voit des petits défauts, on a vu que ça scintille un petit peu. Donc voilà, au niveau de ce tuto, j'espère que j'étais assez clair et que vous aurez appris des choses. C'est surtout un peu le but, et que surtout ça vous aura appris des choses pour vos projets à vous, pour vous donner des idées, pour réaliser des... pour tester des choses, pour avancer dans vos projets. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!